Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Investigations. Je tiens à vous souhaiter une très 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 bonne rentrée et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la rentrée des vidéos sur la chaîne Live. Parce qu'aujourd'hui on va un petit peu voyager et je vais vous transporter dans un autre pays et dans la peau de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous, vous êtes un adolescent d'un petit village du nord-est de l'Inde. Plus précisément, le village de Mushahar, dans la région du Bihar. L'année est 2007, et de l'autre côté du monde, des adolescents de votre âge dansent sur Don't Stop the Music de Rihanna, ou regardent la série Skins à la télévision. Mais de votre côté, vous n'avez pas beaucoup de distractions. Néanmoins, un jour, alors que vous vous apprêtez à aller travailler dans les champs, parce que vous n'avez pas le choix, hein, vous accompagnez vos parents pour travailler dans les champs, vous n'allez même pas à l'école, un cri se fait entendre, un cri de désespoir, un cri de douleur qui vous arrête net dans votre mouvement. Vous l'avez compris donc, on est en 2007 dans la ville de Mushahar qui se situe dans la région du Bihar qui se situe au nord-est de l'Inde. C'est un jour assez ordinaire, une mère de famille joue avec sa petite fille qui a seulement 6 mois près de l'école du village. C'est un petit village assez pauvre et c'est un petit village où tout le monde se connaît. Elle s'amuse plutôt bien, elle crée des petits liens. Tout se passe plutôt bien quand la mère de famille a un sursaut. Elle réalise qu'elle a oublié ses casseroles sur le feu, et ça peut paraître anodin dans toutes les autres régions du monde, mais dans ce petit village où les maisons sont assez inflammables, elle a tout intérêt à repartir très vite, éteindre le feu. Malheureusement, sa petite fille de 6 mois est un petit peu lourde et elle risque de la ralentir dans sa course jusqu'à sa maison. Elle décide donc de la déposer dans la salle commune de l'école du village, de courir éteindre le feu, puis de la récupérer après. Elle arrive chez elle, elle éteint le feu, rien n'a brûlé, heureusement, Dieu merci, et elle repart jusqu'à l'école pour récupérer sa petite fille, qui est toute petite, qui a seulement 6 mois, donc même si elle a confiance en les gens du village, elle ne va quand même pas la laisser toute seule trop longtemps. Elle arrive à l'école et, étrangement, sa petite fille n'est pas là où elle l'avait laissée. Bon, ça ne l'inquiète pas trop, elle se dit que quelqu'un a dû la récupérer, quelqu'un doit jouer avec elle, peut-être un membre du personnel. Après quelques minutes de recherche, après avoir posé des questions à toutes les personnes se trouvant sur place, elle réalise que personne n'a vu sa fille, mais surtout que personne ne l'a déplacée. Et là, elle est effrayée, elle ne sait absolument pas ce qui a pu se passer. Elle fait le tour des habitants du village, elle va consulter ses voisins, et ils sont tous choqués, tous interloqués, car ce n'est absolument pas la première fois qu'une petite fille disparaît dans des circonstances étranges dans ce village. La police est bien vite appelée, elle arrive sur place et elle commence à mener sa petite enquête. La police est très étonnée quand tous les habitants du village se mettent à pointer du doigt un petit garçon qui est assis dans un coin de l'école. Il a 8 ans, il s'appelle Armajid Sada. Et il a l'air plutôt inoffensif. C'est très étonnant, pourquoi est-il désigné dans une affaire de disparition? Parlons un petit peu de ce petit garçon-là, vous vous posez des questions, hein, vous vous dites « Mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Liv, dis-nous tout !» Alors Armajid Sada est né dans une famille assez pauvre, une famille qui n'avait pas énormément de moyens, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est certainement né à la fin des années 90, puisqu'il avait 8 ans en 2007, mais on ne connaît pas sa date de naissance exacte. Pareil, on ne connaît absolument pas la dynamique familiale des Saada. On sait simplement que plusieurs générations vivaient dans la même maison, hein, de manière assez traditionnelle. Mais on ne sait pas vraiment s'ils s'appréciaient, si le petit garçon appréciait ses parents. Il est possible qu'il ait été un petit peu négligé, étant donné que ses parents travaillaient beaucoup au champ et que du coup, il devait se débrouiller seul. Les Saada, pour la plupart, n'avaient pas fait de longues études. Ils étaient peu, voire pas du tout éduqués. Et le petit Armajid Sada, pareil, était très peu éduqué, il allait très peu à l'école puisqu'il passait le plus clair de son temps à aider son père à labourer les champs. Mais tout le monde le connaissait ce petit garçon, hein, parce qu'il était souvent livré à lui-même, il traînait dans le village et puis il parlait très peu mais il avait toujours un petit sourire un peu inquiétant sur le visage et puis surtout il avait quelque chose de particulier avec ses yeux, il avait de grands yeux et il fixait souvent les gens sans gêne, sans jamais détourner le regard, un regard un peu beaucoup inquiétant. Et ce sont toutes ces petites choses, toutes ces petites caractéristiques de sa personnalité qui lui ont fait défaut quand la petite couche-boue a disparu. D'autant plus qu'il se trouvait dans l'école à ce moment-là. Presque immédiatement, les habitants du village ont décidé d'appeler la police, et la police est arrivée sur place, et sur place a trouvé des habitants
profondément énervé, profondément choqué. Il y avait une sorte d'hystérie collective dans ce village. Tous ces adultes accusaient un petit garçon, le petit Armajid Saada. Ne sachant pas trop quoi faire et pour démêler le faux du vrai, ils ont décidé d'emmener le petit garçon au commissariat et de l'interroger. Ils ne considéraient pas vraiment ce garçon comme suspect. Pour eux, c'était un moyen d'apaiser les cœurs, les tensions dans le village. Et c'est l'inspecteur Chatrudan Kumar qui a cuisiné Armajid, qui a procédé à son interrogatoire. Il a expliqué que le petit garçon s'était assis sur cette petite chaise dans cette salle d'interrogatoire, qu'il n'avait absolument pas l'air troublé, qu'il avait l'air plutôt à l'aise, qu'il a même demandé un cookie à l'inspecteur avant de commencer à parler. Il avait l'air totalement détaché de la situation. Du coup, les inspecteurs se sont dit « ça va aller assez vite, on va interroger ce petit garçon, il va nous dire qu'il n'a rien fait et on va le renvoyer chez lui et on va pouvoir commencer une véritable enquête. » Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Armajid n'a pas été le seul à être interrogé, des membres de sa famille sont aussi intervenus et ont aussi donné leur témoignage à la police. Des témoignages plutôt dérangeant. Bon, déjà, il faut savoir que le petit garçon a très vite avoué. Il a avoué avoir tué la petite Kushbu. Il a avoué en mangeant son cookie. Il a avoué avec un air totalement détaché, comme s'il ne comprenait absolument pas les implications de cet acte. Bien sûr, ce que je dis peut être questionné par beaucoup de psychologues, mais de manière générale, à 8 ans, un enfant a le sens de la morale. Même s'il ne va pas s'identifier au bon ou au mauvais, il va savoir que ce qu'il fait est bon ou mauvais, et donc agir en conséquence. Mais Armajid, en avouant son acte, n'a pas du tout hésité. Il en a parlé comme il aurait parlé de la pluie ou du beau temps. Et là, l'oncle de Armajid ainsi que ses parents ont fait des révélations assez choquantes aux inspecteurs, leur avouant que Armajid n'en était absolument pas à son coup d'essai. Respirez bien, respirez bien. Armajid, avant ses 8 ans, avait déjà tué 2 membres de sa famille, sa petite sœur de 8 mois et sa cousine de 6 ans. Des actes que la famille a voulu étouffer. Pour eux, il s'agissait d'une affaire de famille et personne ne devait s'en mêler. D'ailleurs, les parents d'Armajid n'ont pas hésité à mentir quand leur petite fille est morte en disant aux autorités qu'elle était morte de mort naturelle. Donc Armajid avoue. Il dit tout. Il donne même son mode opératoire qui est le même pour tous ses crimes. Elle dormait dans l'école. Je l'ai prise et je l'ai tuée en la frappant avec un parpaing. Avant de l'enterrer. Et il dit ça sans la moindre once de remords ou de culpabilité. D'après les inspecteurs, pendant tout cet interrogatoire, même au moment où il parlait des détails les plus sordides, Armajid les fixait et souriait avec ce petit sourire si inquiétant dont il avait le secret. Après l'interrogatoire, les policiers se sont rendus dans le village afin de déterrer le corps de Kushbu. Armajid leur a indiqué où il avait enterré le corps et ils l'ont trouvé. Et là, ça a été le désastre pour tout le village, mais surtout pour la famille de la petite fille. Je n'imagine même pas la douleur de la mère de famille qui s'est certainement dit « mais j'ai été vraiment trop bête ». J'ai vraiment, vraiment été trop naïve de la laisser toute seule dans cette école. Ça a dû être horrible à vivre pour elle. Armajid est donc arrêté et il est placé en détention provisoire dans la ville de Munger ou Munger, une ville voisine de Mushahar, la ville où il est né. Et il faut savoir qu'en Inde, bien sûr, les enfants ne peuvent pas être condamnés à une peine adulte et ne peuvent pas être condamnés à mort. Ce qui se passe donc, c'est que jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité, ils sont placés dans des centres de détention pour mineurs et ils sont jugés ensuite à leur majorité comme adultes, si j'ai bien compris. C'est un système que je questionne quand même. C'est un système qui me laisse un peu perplexe. Après, peut-être que j'ai absolument mal compris les complexités de ce système et peut-être qu'ils sont jugés à leur majorité, mais toujours en tant qu'enfants. En tout cas, c'est un système très particulier. Dans le quotidien Times of India, un psychologue s'est confié au journaliste en donnant son expertise sur le petit garçon sans l'avoir rencontré. Et il a expliqué que le petit garçon était certainement un grand sadique, tout simplement, un être profondément mauvais. D'autres psychologues sont venus un peu contredire ses propos en disant qu'il n'avait simplement aucune notion du bien ou du mal. Shamshad Hussain, un psychoanalyste de la ville de Patna, une ville voisine de celle d'Armajid, a décidé de se pencher un peu plus sur la psychologie de ce petit garçon en s'entretenant avec lui. Ils ont eu donc plusieurs séances ensemble, plusieurs conversations, et le psychoanalyste a donc pu établir un profil
psychiatrique, psychologique de ce petit garçon. Il a notamment dit que ce petit garçon manquait cruellement de remords et que cela découlait d'un problème neurologique. Apparemment, le petit garçon avait aussi des tendances à la psychopathie, ce qui expliquait le fait qu'il prenait plaisir à faire souffrir les autres, à tuer des petites filles et qu'il n'en éprouvait aucun remords. Pour aller un petit peu plus loin, Armagit souffrirait d'un défaut au cerveau qui provoquerait un désordre neurologique qui engendrerait lui-même une forme de gratification dès lors qu'il inflige de la souffrance aux autres. Et probablement à cause de la précarité de son environnement, Armagit n'avait jamais pu avoir de diagnostic pour son trouble. Il faut savoir que l'hérédité et l'environnement sont des facteurs favorisant le développement de ce trouble. Des membres de la famille d'Armagit, certainement ses parents, pourraient avoir eux aussi ce trouble. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont protégés entre eux. Mais aussi, il est possible que Armagit, qui était un petit garçon un peu livré à lui-même, n'ait pas eu l'amour, l'attention nécessaire pour développer de l'empathie. Autre chose à savoir, beaucoup de personnes, notamment des voisins de la famille, ont spéculé en disant que Armagit avait peut-être été maltraité par ses parents, des maltraitances, des sévices qui auraient pu le mener à devenir sociopathe. Mais tout ça, ce ne sont que des spéculations et des rumeurs. On sait en tout cas que Armagit a pu s'éviter la prison en raison de ses troubles psychiatriques et il est possible qu'aujourd'hui, il soit libre. Et il faut savoir qu'en préparant cette vidéo, une autre petite théorie m'est venue en tête. Il y a quelques mois, j'ai regardé un documentaire qui s'appelait L'Inde, le pays qui n'aime pas les femmes, si je ne me trompe pas, dans lequel j'ai appris énormément de choses que je savais déjà, mais j'ai pu un petit peu parfaire mes connaissances sur le sujet. Il faut savoir qu'en Inde, jusqu'à peu, et je pense que c'est une pratique qui est encore courante en Inde, les petites filles sont régulièrement tuées quand elles sont bébés. Pourquoi ? Parce qu'on préfère des petits garçons qui grandiront en hommes et qui permettront, qui aideront leur famille tout simplement. Ils seront assez forts pour labourer les champs, pour prendre soin de la famille, et on considère les femmes souvent comme des fardeaux en Inde. C'est donc un véritable phénomène en Inde, et je me suis dit, est-ce que les sadhas, les adultes donc, n'auraient pas tué ces petites filles pour remettre la faute sur le petit garçon, le petit Armagit. Et dans un autre sens, je me dis que si c'est un phénomène tellement répandu en Inde, peut-être qu'en faisant ça, s'ils étaient vraiment les coupables, ils ne risquaient pas grand-chose et donc n'auraient eu aucun intérêt à remettre la faute sur le petit garçon. Mais c'est une théorie qui est intéressante quand même. C'est une théorie que je trouve... il faut creuser. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé d'une manière ou d'une autre. Ce genre d'histoire sur des enfants tueurs, c'est toujours assez impressionnant, c'est toujours assez choquant. On voit ces petits garçons et ces petites filles, on se dit ils ne sont capables d'aucun mal, et au final, ils sont capables d'atrocités. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Dites-moi également ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, parce que tout simplement, il y a du super contenu qui arrive. Et puis c'est dommage de regarder mes vidéos sans me soutenir alors que moi je vous aime et je fais des vidéos pour vous. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.